là, il fait pas, c'est les doigts. Emmanuel Ndjoé, malgré votre but, mais vous tombez à domicile, un but contre deux, déception. Oui, ouais, très déçu parce que ce match, on n'avait pas le droit de le perdre. On s'est dit dès le départ qu'on venait pour le gagner. Étant donné qu'on était à domicile, c'est un avantage pour nous d'avoir le public en place. Mais on les a déçus aujourd'hui, vraiment, c'est malheureux pour nous. Mais on ne va pas bosser les bois car ce n'est pas terminé. On a encore le championnat devant nous et puis je crois qu'on n'a pas quand même perdu la troisième place. On continue toujours à pousser pour pouvoir aller de l'avant. Qu'est-ce qu'elle fait pour ça? Ça, je ne sais pas vraiment. Je crois que si tout un chacun de nous, de mes coéquipiers et moi-même faisant partie, chacun de nous faisant son travail, normalement, on ne devait pas perdre ce match. Étant donné qu'on a eu le dessus sur l'AVC, ils ont été punis par un carton rouge, ils jouaient un peu et puis on avait la faveur, bon, on n'a pas pu concrétiser. Ça arrivait comme ça. Puis, bon. Avec quel état d'esprit vous avez entamé cette rencontre? On avait le moral à plat. Parce qu'on venait de... On peut appeler ça perdre un match à Yaoundé parce qu'on a amené 1-0 jusqu'à la dernière minute, 94e minute, et on a fait match nul. Donc pour nous, c'était un match perdu, mais on est venu parce qu'il fallait qu'on remonte cela et on a d'autres choses à prouver parce qu'on veut monter à Militois. Donc c'est pas fini pour nous. On va toujours continuer à bosser comme ça. Depuis très longtemps, il y a au moins 70%.